Oscar, bébé. Ça fait longtemps qu'on supporte là, le free ride au Québec. Maintenant, on passe vraiment à l'étape supérieure. Le but, c'est vraiment de fédérer ce beau sport puis de faire l'opportunité aux gens de se développer chez eux. Esqui sur une nouvelle aile est un média indépendant pour outiller, divertir et soutenir la pratique du ski hors piste dans l'Est de l'Amérique du Nord. Ce qu'on fait maintenant, c'est l'organisation puis la création du tout premier circuit free ride au Québec. Un circuit qui va être intégré dans le système mondial de qualification pour le Freeride World Tour. Il va y avoir deux volets, un volet adulte et un volet junior pour les 18 ans et moins. Puis pour rendre tout ça possible, Esqui lance sa campagne de financement participatif en collaboration avec les fonds 1001 pour la jeunesse. Puis pour chaque contribution, FME s'engage à doubler le montant pour créer un impact deux fois plus grand. Ça donne bien du power à ton dollar. Ça va permettre de créer une nouvelle communauté, faire progresser le sport, puis le plus important, de rendre ça accessible au plus de personnes possible. Je suis super excité de savoir qu'on va avoir une série de compétitions ici au Québec. J'ai bien hâte de voir le talent. Je sais qu'il y a plusieurs skieurs exceptionnels dans la province. Quand on fait du ski hors piste, c'est pas toujours facile là, de trouver un format de compétition qui fait du sens. Je pense que le freeride, on peut tous se rejoindre là-dessus, donc le plaisir dans la descente, puis de trouver les plus beaux spots, puis les rider comme on a envie de les rider. C'est pas nécessairement juste le meilleur athlète qui va gagner à la fin de la journée, c'est celui ou celle qui a bien lu la montagne, bien étudié les conditions, pris le meilleur choix pour leur style de riding pour bien impressionner les juges à la fin de journée qui vont se trouver sur le podium. Bâtissons ensemble le freeride au Québec. Ouvrons la voie à nos jeunes vers de nouveaux sommets, vers la possibilité de se démarquer à l'international. Pour moi, les compétitions, c'est les moments forts de l'hiver, puis c'est le temps de se démarquer, en fait, de se pousser et de dépasser ses limites. Il s'est vraiment créé une grosse famille autour d'une passion commune, le freeride. C'est par la communauté, pour la communauté. Cette saison, c'est le moment pour le ski de freeride au Québec. Je pense qu'on est dû, là, et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. She just brings that together.